Vous allez bien, les gars? Oui. Et ici également, ça va? Oui. Voilà, on va décrocher la première flèche avec cet artiste ivoirien qui a disparu de la scène parce qu'il était au Cameroun et au Gabon pour des services qu'on lui a demandés. En tout cas, il est de retour avec quelque chose de très sérieux. Attention, c'est un artiste qui était là à la découverte du Coupé Décalé. Son nom, c'est Brico, le DJ du Saint-Esprit. Gazou, c'est nouveau! Ça va bien? Ça va, ça va. Ah, vous n'êtes pas sûr d'avoir les faveurs de toutes les femmes avec vous dans ça. Hein? Je veux dire, fossile. Fossile, fautin, faussin, fausse fesse. Ah, c'est ça. C'est le gazou. Où est-ce que vous avez vu ça, tout ça? Mais c'est ça, ça existe dans le marché. Au Cameroun ou en Côte d'Ivoire même ou au Gabon? Même si en Côte d'Ivoire, va au marché des belles villes, elles sont versées. En tout cas, Gazou, c'est pour attirer l'attention hein, des jeunes filles. C'est pour attirer l'attention des jeunes filles, il faut aller mollo. Voilà, c'est pour dire à toutes les jeunes filles, voilà, on peut être belle et tout. Et il ne faut pas s'attendre seulement que voilà, la beauté s'assoit à la maison pour dire qu'on est belle. Voilà, mettre les fossiles, fauteuil, voilà, sortir tout le temps la nuit. Voilà, il faut penser au boulot. Voilà, parce que nous, les hommes, on a besoin de femmes aussi, même si elles sont belles, mais aussi qui ont quelque chose dans la tête. Voilà. D'accord. Et votre conseil est très intéressant. Durer dehors, ce n'est pas durer. Durer dehors n'est pas durer dans la vie. Chérie Coco, ton corps, ce n'est pas le faire. Faut te molokai. Est-ce que vous êtes de retour définitivement, Brico? De retour pour la promotion de mon single, voilà, parce que l'album va sortir en novembre. Et voilà, il y a des featuring à couper le souffle avec Rico Amadj, avec Mousseba,
avec voilà, certains artistes du Nigeria. Ouais, Moussé Baal est nigériane, elle est voilà, passée sur ce plateau. Voilà, d'accord. Faites, ce sera du balèze. Voilà, je vais vous demander un petit quelque chose. Faites ce petit a cappella chez Doug Saga. La baboti maboyo, mwana nganga na boti maboyo. La baboti maboye, mwana nganga na boti maboyo. Allez décale chinois, décale chinois, décale. Allez ton 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 dans la linkishon. Merci beaucoup. Celle qui est derrière, elle est dans tous les journaux d'actualité aujourd'hui, tous les journaux de showbiz, c'est elle qui est là. Elle est vraiment d'actualité, madame, messieurs, on a tout fait pour la voir aujourd'hui et elle a également quelque chose de nouveau à proposer aux mélomanes et aux fans. Nous, on a la chance de la voir avec nous, c'est la belle Bamba Ami Sera. Installez-vous confortablement, on va s'installer. Est-ce qu'il ment celui qui dit, par exemple, que Bamba Ami Sera s'habille bien, elle est toujours bien habillée comme ça? Est-ce qu'il ment? Ben, c'est à vous de dire, moi, je ne sais pas, public. Ouais. Est-ce qu'il ment aussi celui qui dit qu'elle s'habille bien parce qu'elle-même, elle vend des habits aussi? Est-ce qu'il ment? Non, la boutique a été créée il n'y a pas longtemps, donc on va dire que c'est un peu dans le sang quand même. Hein. D'accord, d'accord. En tout cas, l'actualité avec vous, c'est le single Merci. Merci pour dire merci aux fans. Mais ça sonne comme une fin. Est-ce que c'est la fin? Déjà, on va dire merci. Pour... Non, pas du tout. Je crois que dans la carrière d'un artiste, arrivé un moment, il faut mettre une pause et dire merci à tous ceux qui te soutiennent, tous ceux qui font Bamba Ami Sera. Mm-hmm. Raison pour laquelle j'ai dit merci. Voilà, tout simplement. D'accord. Avec vous également, il se prépare quelque chose de nouveau, hein, Douaoudin, c'est en malinké, ça veut dire fils ou fille de bénédiction. Voilà, voilà. C'est ça. Et je pense que ça se prépare de façon active. On aura l'occasion d'en parler sur ce plateau. Mmh. Madame, messieurs, vous faites très bien d'être sur ce magazine, sur RTI 2, mise en onde et réalisé par Keïta Sidiki, avec une grande équipe de télévision que je demande d'applaudir très très fort. De père et de mère griot, donc elle est une artiste née, elle des griots qui ont marqué les temps en parcourant les régions les plus en vue du Burkina Faso. Elle est rentrée dans la musique et depuis 1992 jusqu'à maintenant, cela fait 20 ans qu'elle met son talent au service des mélomanes. Elle dompte le micro qui n'a aucun secret pour elle. Elle est donc burkinabé d'origine et aujourd'hui elle est en Côte d'Ivoire pour vous proposer Mousso, un titre extrait de l'album du même nom. Myria Sayo. Masilikuna, yeke la mankai.
Ce nom, Myria Sayo, madame, monsieur, un nom à retenir. Elle a gagné en maturité et en notoriété. Pour preuve, elle ne passe plus d'une semaine à Abidjan, où elle réside dans la grande commune de Koumassi, que l'on salue. En tout cas, on salue tous les habitants de Koumassi, sans qu'elle ne soit invitée dans un mariage ou encore dans d'autres cérémonies. En tout cas, encore une fois, big up à Myria Sayo. Elle donnait des conseils aux dames et aux demoiselles, hein. Il faut tout faire pour être capé et calé sur le mariage. Comme Brico l'a dit à l'intro de l'émission, votre corps n'est pas du fait. Il faut en prendre soin. Voilà. On vous a dit tout de suite qu'elle était dans tous les journaux. Voici un autre article. Bamba Misera, applaudissements pour elle. Alors, là, c'est un décalage qui n'a pas de nom. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Bamba? Là, je sortais les phases, là. Uh-huh. Et sans chaussures? Voilà, en pleine prestation, en fait, la scène glissait un peu. Uh-huh. Donc, j'ai marqué une pause. Je me suis excusée, j'ai enlevé les chaussures pour en griffe gâter le coin. Ah, en tout cas, nous, on croyait que c'était pour faire un peu de matiko. Matiko, ça s'est fait sans chaussures aussi. Si. C'est vrai que je n'ai pas pensé automatiquement au matiko, mais ça se rejoint, là. Voilà, ça se rejoint. Avant votre arrivée, les deux chansons qui ont été proposées sur ce plateau parlent aux jeunes filles comme vous et aussi aux dames. Voilà. Votre opinion, quelle opinion vous faites de cette situation-là, qui est que chacun veut prendre soin des jeunes dames et des jeunes filles pour dire attention, restez sur les rails. Moi, je crois que c'est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup influençable. Mmh. Donc, c'est important de toujours, en griffe, nous rappeler. Nous ramener à l'ordre en quelque sorte, parce qu'on est jeune, on est belle, tout ça, mais la jeunesse, ça finit. Mm-hmm. Voilà, donc il ne faut pas se laisser dépasser. D'accord. Et quel est votre petit secret pour ça? Vous faites quoi pour ne pas être rattrapé par le temps, rattrapé par les actes, les gestes? Qu'est-ce que vous faites? Je me repose beaucoup. Mm-hmm. Voilà, parce que le métier du showbiz, c'est beaucoup épuisant. Donc dès que j'ai un bout de temps, je me repose et je fais l'effort d'être toujours souriante. Ah, d'accord. Voilà. Souriez. La vie est belle. Le groupe qui est derrière, composé de deux personnes qui ne sont pas étrangères au show business ivoirien et aussi au show business africain, parce qu'il y a un acteur dans le groupe qui aura participé à pas mal de téléfilms ici en Côte d'Ivoire, et aussi il a commencé par le Zouglou et aujourd'hui il se retrouve dans un autre genre musical. Et l'autre côté, un autre artiste qui va profiter de la dislocation de sa formation pour se mettre avec celui-là. Deux talents, deux noms, deux visages, deux images en commun, ça donne le groupe Yakam. Hey, c'est le son de Richard Campus. Elle est Momo, Aboubé, CPG, Awanyo. Yalla, 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 yalla. Yalla, yalla, yalla. Yeah.
bale tala mukwenda kokoso batala bale kana mukwenda bambale asiyai asiyai cena soche tobina eh asiyai asiyai ramsu le bon tobina sia tobina to sia tobina kutuka kutuka peti mato manaja kutuka kutuka sia papa ade bayo boni kasino à toute la douane nationale à mettre café cacao et me laisser le doué de le lait de le Yakam, c'est embêté, ça veut dire allons ensemble, voilà. Et le CIAI qui vient de danser est un langage commun entre des potes du quartier qui se retrouvent autour d'un pot, c'est dire réconciliation, restons ensemble pour vivre mieux. En tout cas, encore une fois, Yakam, qu'on applaudit très très fort. Richard Campus et Momo Yakam. Bamba Misara, les concepts commencent à s'entrechoquer, on sent que on va vers les fins d'année, la lutte sera rude. Vous qui êtes généralement en première ligne, comment est-ce que vous appréhendez ça? Est-ce que, attention, si on ne fait pas bien, les jeunes gens vont nous dépasser ou est-ce que ça tombe bien, allons-y ensemble? La dernière proposition, ça tombe bien, allons-y ensemble. Hein? Voilà, d'accord. Je voudrais profiter pour dire que le terrain du showbiz est tellement vaste que chacun peut avoir quelque chose à manger, simplement. D'accord, merci beaucoup. Celui qui est là, je l'appelle docteur parce qu'il est doctorant en médecine aux États-Unis d'Amérique. Il aurait pu se concentrer à 100% sur ses études, mais il a décidé de s'arrêter un instant comme vous pour vous dire merci, vous, aux fans, lui, à bon Dieu. Son nom, c'est Abraham. Abraham, ça va bien? Oui. En tout cas, le génie se reconnaît par son calme. Ce n'est pas seulement le doctorat. Hein. Avant le doctorat, vous avez déjà bouclé un diplôme aux États-Unis là-bas. Oui, j'ai bouclé un diplôme d'ingénierie biomédicale et de biologie aussi. Et là, vous allez devenir docteur, mais vous avez le temps de vous arrêter, visiter le pays et aussi visiter les plateaux télé. D'abord, votre opinion générale sur le pays et aussi les médias du pays. Je suis très fier de mon pays parce que, ayant vécu plus de 7 ans aux États-Unis et aujourd'hui de retour, je vois que le pays a évolué énormément au niveau de la télécommunication, au niveau de la télévision. Et vraiment, je suis fier. Je suis très fier. D'accord, applaudissez pour tout ça. Yeshua, c'est le nom du produit que vous avez amené avec vous. Ah, vous êtes venu avec ça, Yeshua, c'est un autre nom de Jésus. C'est un autre nom de Jésus, c'est le Messie en hébreu. En hébreu. En hébreu. Ah, vous aurez pu choisir Jésus simplement, non? Jésus simplement, mais il y a une histoire derrière cela. Ah, allons-y. Alors. Parce que le peuple d'Israël attendait un libérateur, quelqu'un qui viendrait les libérer. Et c'était Jésus. Bon, c'est un peu l'attente d'un peuple, l'attente d'une génération pour une délivrance. Je pense que Côte d'Ivoire, ta délivrance est arrivée aujourd'hui avec Yeshua. D'accord. Il y a 7 titres sur cette œuvre, madame, monsieur. Vous avez quelques extraits du clip en illustration. L'artiste est là pour un bon bout de temps en Côte d'Ivoire. On s'arrête un instant et on vous envoie le clip qui est derrière Yeshua de Abraham. Sauveur, la paix de mon cœur.
puissante, agissante. Comment ne pas te louer, oh mon Jésus. Comment ne pas t'acclamer, oh mon Jésus. On reste dans la religion et on s'intéresse à ce groupe qui est composé de trois personnes, c'est ça? Trois personnes, hein? C'est ça. Côte à côte, très bien habillé. Merci, c'est gentil. Vous, c'est? Vous qui avez le micro? Peter Bernie. Vous? On sait qui? Ketura. Ketura et? Okadra. Okadra, d'accord. C'est... Les noms ne sont pas communs, hein? C'est... Il s'agit de noms choisis ou est-ce qu'il s'agit de vos différents noms? Pour moi, l'état civil, c'est Bou Viviane Roseline. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, et Ketura, c'est le nom de... C'est un nom qui a été révélé. Un nom révélé. Révélé, voilà. Alors, quand vous dites comme ça, ça fait peur. Ketura, un nom révélé. Mm-hmm. Bon, j'ai reçu ça et puis bon, j'ai trouvé bon de le garder pour le nom d'artiste, chantre. D'accord. Abraham dit, Yeshua, tout court, vous dites, seul Jésus est Dieu. Vous dites la même chose. Oui. Parce que pour nous, en tant que chrétiens, seule la vérité peut venir que de Jésus-Christ. Mm-hmm. Et nous trouvons que celui qui s'accroche plus à Jésus-Christ a la vérité. Parce que s'il a accepté de se sacrifier pour nous, ça veut dire qu'avec lui, beaucoup de choses peuvent venir de bon. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est pour cette raison, seul Jésus est Dieu. Et Dieu. Le titre homo, c'est témoin. Devant l'éternel. Témoin devant l'éternel. Oui. Et dans cette chanson, vous dites quoi? Vous développez tout ce que vous venez de dire là? Parce que nous disons aux gens que si Jésus est ton témoin devant l'éternel, parce qu'on dit qu'il connaît et il voit toutes choses, même dans le secret, il te voit. Mm-hmm. Mais si tu fais semblant de sortir devant les gens, jouer les donjons, mm-hmm, la nuit, mais il te voit, mm-hmm, comment il peut te représenter devant l'éternel pour dire, oui, lui, là, il a un bon comportement, il faut qu'on le soutienne, bien, il faut qu'il soit dans le livre de la vie. Voilà. Donc, vous conseillez quoi aux gens, alors? Prenez, marchez sérieusement, prenez votre destin en main et vivez le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Possible. On va retenir ça. D'accord. A cappella pour terminer tout ça. Il est le lion de la tribu de Judas, l'alpha, l'oméga, notre Seigneur, c'est lui qui délivre. Il est le chemin, la vérité et la vie, c'est à lui que nous avons donné notre vie. Oh, 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 oh. Bravo. Pour la suite, on va se référer à l'album du même nom, hein, Les Fils de Sion, avec un certain nombre de titres qui va vous permettre d'être proche de l'avenir et aussi de votre créateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bamba Misara, on revient vous, devant vous, côte à côte, deux groupes, je veux dire un solo et une formation, oui, qui parle de Dieu. Oui. Donc, avant vous, deux groupes qui parlaient des comportements des jeunes filles. Des jeunes filles. Là, on est chez l'Éternel chez maintenant. L'Éternel. Alors, ça veut dire quoi? Confiez-vous à Dieu. Ben, c'est important parce que moi, je crois que dans la vie d'un homme, tu n'as pas Dieu au centre de ta vie, tu es perdu. Voilà. C'est pour ça que le premier single de Bamba Misara, quelles que soient les difficultés, c'est Dieu qui est fort. Et ça chantait comment là? Tu entreprends un projet, ça ne marche pas. Oh. Pourquoi pleures-tu, mon Dieu, te voir? Oh. Voilà. Voilà. Les fils de Sion, Abraham et aussi Yakam Group, sans oublier Brico, le DJ du Saint-Esprit, madame, monsieur, cette somme de compétences et de stars pour votre plaisir sur ce programme sur RTI2. Bamba Misara, l'année va se terminer bientôt, il y aura des choses au compteur, hein. Vous préparez des choses? On prépare, on vient de terminer un dernier son qui s'appelle Douaoudin, mm-hmm, mais ça ne sera pas pour le mois de décembre, ça sera une très grosse surprise pour mes fans, mm-hmm, et pour tous les Ivoiriens. Voilà, je dis dans la chanson, bats-toi parce que quoi qu'il arrive, tu es un Douaoudin. Même toi, Mohamed, tu es un enfant béni. Merci beaucoup. Ah, et surtout, ça, je ne refuse pas parce que, rien comme est-ce que je suis encadré, Abraham, Yeshua et les fils de Sion, hein, je pense que la bénédiction est là, elle plane sur le studio et tout le monde en même temps, hein, avec les Tigui, elle est là également. Applaudissez pour toute l'équipe.
On vous a pas reproché aussi par moment d'enchaîner des singles, des clips vidéo, à l'enchaîner en canon? Ça fait que parfois on ne se retrouve plus. On va les compter. Les gens n'ont pas le temps de vraiment profiter. Voilà. C'est pour ça que Dorodé ne sortira pas cette année. Mm-hmm. On va se laisser un peu aller avec le, avec la joie. Avec la joie, le, voilà, c'est la joie, mais on se laisse aller. Mm-hmm. Et en 2014. On va bénir Dieu. On va bénir Dieu. Voilà. Madame, Monsieur, cette émission a été réalisée, mise en onde par Keïta Sidiki. Toute l'équipe qui travaille avec lui vous dit bonjour ou bonsoir, c'est selon. Et nous, on sera là devant vous le jeudi prochain pour un autre programme avec un autre contenu. Les artistes travaillent, travaillent, travaillent. Je pense qu'ils méritent un banc, ces artistes-là. Voilà. Bamba Misara avec merci. C'est à nous de vous dire merci, Bamba. Merci à vous. La scène est à vous et félicitations pour le clip vidéo. Très beau. Merci. À la semaine prochaine. Célébrer tous ces bons moments. On chante avec moi. Je me battrai pour rester la meilleure à vos yeux. Tout le monde. Je me battrai. Je me battrai. Je me battrai pour rester la meilleure à vos yeux. L'homme au grand cœur. Appréciez la diva du coupé des canets. Laisse-moi. Hey, laisse-moi ailleurs dans les moudes boulets. Abo comme un loga, laisse-moi aller. Basugo leto, basugo ale.